C'est un exercice qui nous a permis de passer en revue le bilan de réalisation de 2016 et les actions prioritaires pour 2017 de chaque ministère. Je me félicite d'ailleurs de cette approche de programmation de l'action du gouvernement. Nous aurons ainsi une visibilité et de la cohérence dans la planification de nos actions. Ces actions devront permettre d'apporter des solutions concrètes susceptibles de répondre aux besoins des Guinéens, tout en favorisant une croissance économique forte et inclusive. Conformément à la lettre de mission que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a assignée, les grandes actions du ministère de la Défense nationale au cours de l'année 2016 ont porté sur la mise en œuvre de 5 objectifs prioritaires. Vous avez en première position la poursuite de la réforme des forces de défense. Dans ce cadre, nous avons procédé au renforcement du cadre légal et réglementaire. 5 avant-projets de loi et 5 textes réglementaires ont été élaborés et validés. Le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense est le deuxième objectif prioritaire. Dans la mise en œuvre de cet objectif prioritaire, nous avons procédé à l'amélioration des infrastructures militaires. 8 travaux de construction et de rénovation sur 12 programmés en 2016. Le renforcement de la sécurité du territoire national, ça c'est un autre objectif de notre lettre de mission. Dans ce cadre, nous avons à renforcer et améliorer le dispositif de sécurité à l'intérieur du pays et au niveau des frontières pour mettre notre pays à l'abri des nouvelles menaces sécuritaires, du grand banditisme et des troubles à l'ordre public. Les actions prioritaires réalisées dans ce domaine sont les suivantes. 530 missions de patrouille réalisées et 150 opérations de maintien d'ordre. Vous avez ensuite l'amélioration de la qualité des dépenses militaires. Pour cela, nous avons procédé au renforcement des mécanismes de contrôle financier en décentralisant la direction générale de l'intendance militaire et en améliorant l'administration financière et les contrôles internes. Et enfin, vous avez l'application des accords et conventions militaires ratifiés dans le cadre bi- et multilatéral avec les pays amis. Nous avons effectué la projection du bataillon Gangan 2 au Mali et précisément à Kidal dans le cadre de la participation de notre pays dans les opérations de maintien de la paix. Pour cette action prioritaire, 1000 hommes ont été formés et préparés, parmi lesquels 850 militaires ont été déployés à Kidal au Mali en juin et en août 2016. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, la plus grande difficulté est due au manque de ressources financières. Néanmoins, nous avons continué le processus de réforme avec les maigres ressources que nous avons au niveau du département. En se référant au rôle régalien de l'armée dans le fonctionnement et le développement de l'État, et en tenant compte de l'histoire de nos forces de défense, personne en Guinée ne doit se poser la question de savoir si assumer la fonction ministérielle est-elle facile ou pas, car elle est très difficile pour un ministre qui veut obtenir un bon résultat dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Évidemment, c'est une tâche exaltante de contribuer à la construction de la Guinée à un tel niveau de responsabilité. On ne tient donc pas compte des difficultés, mais on se focalise sur les objectifs à atteindre, conformément au programme établi par le chef suprême des armées, le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est une relation de confiance basée sur l'humilité et le respect réciproque, acquise au cours d'un combat très long et difficile pour la liberté et la démocratie en Guinée. C'est de bien s'organiser et de se préparer avant de commencer le travail, être à l'écoute de tous, apporter des solutions aux problèmes posés dans le calme et la sérénité
prendre la bonne décision. Ma journée commence toujours par la lecture des dossiers le matin. Lorsque mon emploi du temps le permet, une fois à la maison, je lis des livres scientifiques. Les week-ends, c'est d'abord la famille, le RPG, ensuite, car je suis un militant dans l'âme, et puis les affaires sociales. Tous les matins, à partir de 5 heures, je me fais un exercice physique de 30 minutes avant de faire ma prière de l'aube, prendre mon petit déjeuner et être au bureau au plus tard à 7h30. Surtout la musique africaine et cubaine. C'est celui qui est bien préparé. Je ne sais pas aux autres de le dire. Ça, c'est ma nature. Chaque personne a des défauts et certainement aussi des qualités. C'est l'honnêteté, l'humilité et le don de soi. C'est l'excès et la trahison. C'est la paix et la prospérité pour tous.